Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Duplicate Club. Alexander aux manettes comme d'habitude. En même temps, il n'y a que moi pour l'instant. On ne sait jamais. Les choses peuvent évoluer tellement vite. Non, pour l'instant, il n'y a que moi. Aujourd'hui, mardi, c'est parti à vocabulaire courant, partie normale à vocabulaire courant, donc partie ni joker, ni 7 sur 8, partie normale, 7 lettres. Par tirage et des tops qui sont de vocabulaire courant. Voilà. Tout est dit. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage, on passe en revue les différents coups pour voir les autres solutions au top, les sous-tops, les définitions des mots peu courants. Du coup, ce seront essentiellement des sous-tops ou des isotopes qu'on n'aura pas vus pendant la partie. Et puis, en troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues pendant, ni pendant la partie en elle-même, ni pendant le premier temps du décodage. Voilà, je vous ai tout dit. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous souhaite une très bonne partie à vocabulaire courant. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et voici Égypte E. Jordanie J. Grèce G. Italie I. Venezuela V. Égypte E, c'est le deuxième. Et Roumanie R. Vous jouez avec Égypte deux fois, Jordanie, Grèce, Italie, Venezuela et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 28 points. Faites attention à la solution choisie horizontalement en H4. Nous posons Vierge. V-I-E-R-G sur la case centrale et E. Vierge, V-I-E-R-G-E en H4, ça fait 28 points. Au reliquat, une lettre unique, toute seule, la pauvre. Jordanie. Allez, on l'accompagne rapidement. De Yougoslavie, Y. Égypte, E. Océanie, O. Italie, I. Québec, Q. Québec. Tunisie, T. Vous jouez avec Jordanie, Yougoslavie, Égypte, Océanie, Italie, Québec et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 36 points. Horizontalement en G9,
en partant au-dessus du E final de vierge, nous posons joie. J-O-I-E. Le J forme à la verticale je, J-E, avec le E de vierge. Joie, J-O-I-E en G9, ça fait 36 points. Aucune, si, pardon, Canada, Tunisie et Yougoslavie, trois lettres au reliquat que vous allez rejeter. Donc vous rejetez le Q, le T et le Y. Et on repart avec Tunisie T deux fois. Canada C. Roumanie R. Suisse S. Algérie A, deux fois. Vous jouez avec Tunisie deux fois, Canada, Roumanie, Suisse et Algérie deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Sur ce coup, un top à 83 points, verticalement en 13A, de façon à mettre un S au bout de joie. Nous descendons tracta. T, R, A. C, T, A, et le S qui vient mettre joie au pluriel.
Tractas, Tractas, en 13A. Ça fait 83 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Suisse S. Égypte E. Belgique B. Hongrie H. Roumanie R. Portugal P. Océanie O. Vous jouez avec Suisse, Égypte, Belgique, Hongrie, Roumanie, Portugal et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cent dix points. Verticalement, attention à la place, hein, verticalement en 5D, en appui sur le I de Vierge, nous descendons. Prohibé, P, R, O, H, le I de Vierge, B, E, S. Prohibé, P, R, O, H, I, B, E, S, en 5D.
Ça fait 110 points. Au reliquat, on n'a plus rien. On vient de scrabler. Voici cette nouvelle lettre. Océanie, O. Hongrie, H. Zambie, Z. Roumanie, R. Océanie, O, c'est le deuxième. Norvège, N. Et Égypte, E. Vous jouez avec Océanie deux fois, Hongrie, Zambie, Roumanie, Norvège et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 90 points. Verticalement en 11B, en appui sur le I de joie. Vous descendez Honorié. H-O-N-O-R, le I de joie, E-S. Honorié, H-O-N-O-R-I-E-Z en 11B, ça fait 90 points.
Aucune lettre au reliquat. Voici Italie I. France F. Norvège N. Égypte E. Roumanie R. Uruguay U. Deux fois. Vous jouez avec Italie, France, Norvège, Égypte, Roumanie et Uruguay deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Vingt-trois points. Attention à la solution choisie verticalement en 6A pour coller à droite des trois premières lettres de prohiber. Nous descendons enfuir. E, N, F, U, I, R. Au passage, on forme pu, ri et or avec les trois premières lettres de prohiber. Enfuir, 6A, E-N-F-U-I-R, ça fait 23 points. Une lettre au reliquat, Uruguay. On ajoute Uruguay, U, c'est le deuxième. Tunisie, T. Algérie, A. Suisse, S. Égypte, E. Suisse, S, c'est le deuxième.
Vous jouez avec Uruguay 2 fois, Tunisie, Algérie, Suisse 2 fois et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-dix-sept points. Attention à la place horizontalement en A2. On appuie sur le E de enfuir. Nous posons sauteuse. S-A-U-T. Le E de enfuir. U-S-E. Sauteuse, S-A-U-T-E-U-S-E en A2. Ça fait 77 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. Voici Suisse S, Luxembourg L, Danemark D, Égypte E, Algérie A, Uruguay U, Grèce G. Vous jouez avec Suisse, Luxembourg, Danemark, Égypte, Algérie, Uruguay et Grèce. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-huit points horizontalement en J2. On appuie sur le E de prohibé. Nous posons délégat. D-E, L-E de prohibé, G-U-A-S. Délégat, D-E-L-E-G-U-A-S, en J2, ça fait 68 points. De nouveau, aucune lettre au reliquat, c'était encore un Scrabble. Voici un nouveau tirage. Maroc M. Océanie O. Danemark D. Luxembourg L. Égypte E. Roumanie R. Et France F. Vous jouez avec Maroc, Océanie, Danemark, Luxembourg, Égypte, Roumanie et France. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 28 points. Verticalement en 3i. On appuie sur le premier E de délégat. Nous descendons des formes. D, E de délégat, F, O, R, M, E. Des formes, D, E, F, O, R, M, E en 3i. Ça vaut 28 points. Au reliquat, une seule lettre, Luxembourg. Nous lui ajoutons Belgique, B. Venezuela, V. Norvège, N. Italie, I. Norvège, N, c'est le deuxième. Uruguay, U. Vous jouez avec Luxembourg, Belgique, Venezuela, Norvège deux fois, Italie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 24 points. Horizontalement en O1, on appuie sur le E final de déforme. Nous plaçons bleu I, B,
L-E-U-I. Bleu-I en O1. Ça fait 24 points. Un reliquat de trois lettres, Norvège deux fois et Venezuela. Nous ajoutons Algérie à une fois, deux fois, trois fois. Luxembourg, L. Vous jouez avec Norvège deux fois, Venezuela, Algérie trois fois et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 20 points. Horizontalement en K8. En partant en dessous du A de délégat, nous posons Naval. N-A-V-A-L. Verticalement, cela forme en A-N et ça, S-A, avec les deux dernières lettres de délégat. Naval, N-A-V-A-L, en K8, c'est 20 points.
au reliquat deux lettres, Algérie et Norvège. On ajoute Maroc M. Luxembourg L. Uruguay U. Suisse S. Et Égypte E. Vous jouez avec Algérie, Norvège, Maroc, Luxembourg, Uruguay, Suisse et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 65 points. Horizontalement en N5, en partant au-dessus du I de bleu I, nous posons Manuel. M A N U E L S. Le M forme mi, M-I, avec le I de bleu I. Manuel, M-A-N-U-E-L-S, en N5, ça fait 65 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat, voici Tunisie, T. Italie, I. Égypte, E. Algérie, A. Océanie, O. Votre
premier joker, lettre blanche, Québec, Q, Québec. Vous jouez avec Tunisie, Italie, Égypte, Algérie, Océanie, joker et Québec. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 49 points. Le joker va remplacer un U d'Uruguay verticalement en 13 I, de façon à mettre un E au bout de Naval. Nous descendons Kété. Q, joker U d'Uruguay, E qui transforme Naval à L en Naval à LE, T, A, I. Kété, Q, U, E, T, A, I en 13 I, ça fait 49 points. Une lettre reliquat, Océanie. On ajoute Égypte E, Danemark D, Tunisie T, Égypte E deuxième, Luxembourg L et Italie I. Vous jouez avec Océanie, Égypte deux fois, Danemark, Tunisie, Luxembourg et Italie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Vingt-huit points. Horizontalement, en O12. Pour mettre un T au bout de KT, nous posons OT. OT qui transforme KT AI en KT AIT. E, E. OT, OTEE en O12, ça fait 28 points. Trois lettres reliquat, Danemark, Italie et Luxembourg. C'est un rejet, donc vous rejetez le D, le I et le L. Et voici un nouveau tirage, Italie I, Canada C, Portugal P, Norvège N, Tunisie T, Wallonie W, et Égypte E. Vous jouez avec Italie, Canada, Portugal, Norvège, Tunisie, Wallonie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Trente-quatre points horizontalement en B10 en appui sur le H, en double appui sur le H de Honorier et le R de Tracta. Attention à l'orthographe. Nous posons chéri. C-H-E-R-I. Et n'oubliez pas le T final. Chéri, C-H-E-R-I-T en B10. Ça rapporte un score de 34 points. Trois lettres reliquat, Norvège, Portugal et Wallonie. Nous ajoutons Yougoslavie Y, Égypte E, Danemark D, et Xénophon X. Vous jouez avec Norvège, Portugal, Wallonie, Yougoslavie, Égypte, Danemark et Xénophon. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
44 points verticalement en 2A. En partant du premier S de sauteuse, nous descendons sexy. S-E-X-Y. Sexy, S-E-X-Y en 2A. Ça vaut 44 points. Un reliquat de 4 lettres, Danemark, Norvège, Portugal et Wallonie. C'est de nouveau un rejet. Donc vous rejetez le D, le N, le P, le W. Et voici Kenya, K, Kenya. Norvège, N. Autre deuxième joker, lettre blanche. Danemark, D. Italie, I. Une fois. Deux fois, et Algérie A. Vous jouez avec Kenya, Norvège, Joker, Danemark, Italie deux fois, et Algérie, chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 60 points. Le joker remplace un O d'Océanie verticalement en 1D. En partant à gauche du Y de sexy, nous descendons à Aïkido. A. I, K, I, D.
et le Joker qui est un O d'Océanie. Le A forme E à Y avec le Y de sexy. Et en fait, je n'avais pas fait attention, mais c'est le dernier coup. Donc Aikido, A-I-K-I-D-O en 1D, ça fait 60 points. Et c'est le dernier coup de cette partie en vocabulaire courant en 17 coups qui affiche un top cumulé de 867 points. Voilà, j'espère que vous avez passé un... que vous avez bien joué, que vous êtes satisfait de vous. Et on va décoder cette partie tout de suite, sans transition, sans plus attendre, immédiatement maintenant. Alors, je vous rappelle le principe du décodage. Ça se passe en trois temps. On passe en revue d'abord les coups de la partie pour voir à chaque fois les autres solutions au top et puis les principaux sous-top. Deuxième temps, on verra la définition. Donc, de fait, il sera essentiellement pendant la partie. Donc, le top. Et puis, petit bug. On passera en revue tous les tirages, les tirages de la partie pour voir les solutions en 7, 8 ou 9 lettres, dans certains cas, que nous n'aurions pas vu pendant la partie ni pendant le décodage. Et puis en bas, vous avez deux lignes qui défilent. Alors la première, c'est une sélection de quelques mots qui viennent de la partie ou qui découlent de mots venant de la partie que j'estime important à retenir. Et la deuxième ligne, c'est une phrase, ça dépend, hein, des fois, en général, c'est soit une petite liste, soit une famille de mots, une phrase mnémotechnique. Là, on est sur une phrase mnémotechnique pour retenir les cinq mots de quatre lettres qui contiennent à la fois le X et le Y. Et donc, vous avez le lynx, vous avez les yeux, vous avez l'onyx, vous avez l'oryx et vous avez sexy. Voilà, donc ça donne comme phrase le lynx aux yeux d'onyx, poursuit l'oryx sexy. L'oryx étant une antilope et l'onyx une agate. Voilà, et ces deux lignes vont continuer de défiler pendant les deux premiers temps du décodage. Et donc la première ligne. Je vous précise que Carter est également un nom masculin, il faut penser au verbe écarter. Pébroc, qui était un sous-top à un moment donné, s'écrit soit avec un C, soit avec QE. Ne pas confondre avec Pibroc, qui s'écrit exclusivement avec CK. Et si vous avez un jour Pibroc sans le K et puis que vous avez un S, vous jouez Bicor, B-I-C-O-R-P-S. Il y a le verbe nocer, dont le participe passé est invariable. Vélum, qui était un sous-top. Caon, qui était un sous-top aussi. Sauteur, sauteuse. Et puis ti, T2E. Voilà, c'est une sélection de quelques mots de la partie que je vous invite à retenir si vous ne les connaissez pas déjà. Allez, on y va pour ce décodage. Donc, le premier coup, vierge égalé par jive. On a choisi vierge pour qu'il y ait plus de lettres d'appui. Et sinon, en dessous, on avait verge à moins 2, givré à moins 4, viré également à moins 4, 24 points au lieu de 28. Le coup numéro 2, le J en pivot, 3 solutions à 34, 35, 36, jeu, jet et joie. Wa, OY, le Y qui double, ça fait 27 en I2, Yeti en 5E, mot double à 26. Voilà pour les principaux sous-top. Ici, on a Tracta en main qui passe pour mettre joie au pluriel. C'est le top à 83. Sous-top à mot double avec le C qui double en plus. Cartate du verbe carter, ça fait 78. L'anagramme de Tracta, Castra, AT, passe également au bout de joie, mais le mot ne double pas, donc ça fait que 74. Soit le même score que Traçate en double. Tracta
passer également en i9 pour faire jet A72. Et après, on a des voilà, différentes solutions A70, des doubles avec Castré, Tracté, Cartat ici 68, Trasat, oui, je l'avais vu aussi, je l'avais dit déjà, Katira en quadruple sans scrabblé pour 36. Alors ici, un prohibé, mot pas facile à construire. PH, on est tenté de les mettre ensemble, mais voilà, PHB, R, O, il faut penser à prohibé. OIBA, ça peut. Voilà, c'est du vocabulaire courant, mais pas facile à construire et à trouver. Donc, il passe à deux endroits, c'est le seul Scrabble de ce coup. On n'est pas loin de Euphorbe, la plante. Mais voilà, 80 points en 11C pour joie et en quadruple, ça fait 110, donc ça peut faire très très mal, malheureusement, ce coup. J'espère que vous l'avez trouvé. Sous top à 32 points avec Pébroc, on verra la définition tout à l'heure, au pluriel en D8. Et puis on a également Effort et en 12G à 30, ainsi que Pébroc au singulier. Et en A10 à 11, on a Réto au pluriel, Opt-ES et Opt-ER. Alors ici, on a Honoré EZ en main. On cherche les places pour Scrabble sec, on ne trouve pas. On a I passe en double ici à 42, mais sinon on cherche le I pour faire IEZ. 90 points. En 11B, sous top 52 avec No C, le Z qui double, le mot qui double. En D11, Orné, même principe, à 50 points en 4K. Et Noté et Roté, EZ en A11, ce sont des triples à 45. Noté un joli Horizon à 38. Le tirage suivant, le coup suivant, enfuir égalé par ruiner un peu plus bas. Je choisis enfuir pour monter les appuis vers le haut. Donc tous les deux font 33 points, 23 points, pardon. Sous top, fuit, FUIE, même place à 21, 6B. Enfuit en 4K, mot double à 20 points. Sniffer sur fine en K5, ça fait 20, tout comme Uni en 14B, Fripp en D2. Rien de folichon sur ce coup. Ici, on a le top sauteuse qui passe en J1 pour 62 et en A2 pour 77 en triple. Et puis, sursaute, anagramme de sauteur au pluriel, en 7F, ça fait 64, ça met hors ORS. Ça fait or, pardon, ORS. Et puis en 7A, collante intégrale, deux possibilités à 28 points. Suat et Tuas. Et après, on a une flopée de solutions à 24 points en triple sur, en ligne A sur le E de enfuir. Après, alors, délégat sur le E, ça fait 68. Sous top graduel. Joli, en 7G à 84. On verra tout à l'heure les autres appuis possibles de ce tirage, s'il y en a. Oui, il y en a. Déjà, il y a des glua sec qui ne passent pas. Deux solutions en 28 points, en 10A avec Sage et Sega. Voilà, ça colle un peu, ça met sauteuse au pluriel, ça fait 28 points. Le coup suivant, déforme, gagne 2 points sur défloré et sur ferme. Amerlo en 8J va faire 24 points, tout comme Félé et Ferle en 3I. Alors ici, on n'est pas loin de Bienvenue en Onuple. Hein. On est vraiment un E à la place du L et... Et là, on fait péter le score, mais non, pas de bienvenue. On se contente de 24 points à cet endroit-là avec Bleuilly. Sous top en L1, viol à 22. Bien, bleu en O1, ça fait 21. Yves 18, enfin voilà, rien de Vibor avec ou sans D, ça s'écrit. Je vous les ajoute. Voilà. Ensuite,
Bon, beaucoup de A, de N, un peu trop peut-être pour Scrabble, Avalanche, etc. Bon, on verra tout à l'heure les appuis éventuels, mais j'ai des doutes. 20 points pour le top, petit top en K8, Naval. Aval qui fait Dab, ça fait 18. Avala, même place que Naval, ça fait 18. N5, Avala également, 18. Van en B1 et Nan en 14C font 18 aussi. Allez, le tirage suivant, on a Manuel en main, ça passe en N5, seul Scrabble sur le coup, toujours difficile quand c'est Scrabble unique, je ne le répéterai jamais assez, ne pas s'en vouloir quand on rate un Scrabble même facile, s'il est unique, c'est toujours piégeux. Sous top, Vellum en 4H, très jolie cheminée qui forme Deb, qui double, avec homme qui double aussi. Ça fait un joli score. 36. Autre sous-top intéressant, Bleuim, du verbe bleuir en O1 à 33. Glanam en 8H, en triple appui, 33 également. Aluné en collante intégrale, sous naval, ça fait 32, tout comme Valu et Velu en 4H. Beaucoup de solutions magnifiques sur ce coup, hein. À part Manuel, qui est un Scrabble sec, on va dire traditionnel. Le Vellum, Bleuim, joli rallonge, Glanam triple appui, Aluné collante intégrale. Voilà. Année, encore une cheminée intégrale. Là, c'est énorme tout ça. C'est beau. C'est la beauté du jeu. Ensuite, alors là, on n'a pas beaucoup de place pour Scrabbler, malheureusement. On aurait eu le choix. Hein. Alicote, Loqueté, Toqueray. Eh bien, rien de tout ça. Le top est à 49 avec Kété, le Q qui double, le mot qui double, et au passage, on transforme Naval en le mettant au féminin. Keta, logiquement, fait 2 points de moins. En 4G, magnifique cheminée collante avec ovalisé à 39. Quoi en L1, le Q qui double, le mot qui double, ça fait 36. Bon, après, on a Valine, Valise en 4H. Également de jolies cheminées à 32. Le tirage d'après, deltoïde sur un dé. On n'a pas de dé, c'est dommage. 28 points pour le top, mot de 4 lettres avec le T qui fait KT, AIT, ça fait 28. Et puis les mots de 3 lettres vont faire 22. Ti, tel et toi. Voilà. Edit en 10B, ça fait 21 petites collantes. Ici, avec le W, ben, on joue pas grand-chose. On a quand même le C qui triple et le mot qui double avec chéri à 32 sans le T et à 34 pour le top. Velin en 4H fait 32. Lys en 4J, 28. Swin en 2A, 26. Alors, le Y et le X, hein, la fameuse phrase qui défile en bas. Pas de O pour Onyx, de U pour Yeux. Et le S pour sexy, ben il est là, 44 points. Sous top, moins 2 avec X en 12G, H11. Puis en 8M, ça fait 42 également, mot triple. D en B1 est né, 41 et 39. 39, c'est également le score de Yet en L11. Le tirage suivant qui sera le dernier, Aikido. Voilà, c'est un sport, je sais pas, de combat, je ne sais pas si vous le connaissez vraiment. Mais c'est le dernier coup de la partie et c'est toujours difficile d'aller jusqu'au dernier coup avec le vocabulaire courant. Voilà, mais bon, je pense que c'est assez connu ce mot-là. Mais vous me le direz si vous voulez porter objection, réclamation, pardon. Voilà, donc sous top, Caon en L1 à 46, Kid au pluriel en 14H, ça fait 41. Voilà, on en a terminé pour le passage en revue des coups de la partie. On va passer maintenant quelques définitions. Donc elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Vous avez vu que j'en ajoute de temps en temps après une première préparation. Alors, le jive, c'est une danse latine de compétition. Le carter en mécanique, c'est une protection métallique. Et le verbe carter signifie enrouler du fil sur un rectangle de carton, pardon.
Pébroc, c'est un terme d'argot pour désigner le parapluie. On l'écrit P-E-B-R-O-C ou P-E-B-R-O-Q-U-E. Le pibroc, une cornemuse écossaise, s'écrit P-I-B-R-O-C-K. D'accord. Et du coup, comme je vous disais, si vous avez un jour pibroc sans le K, c'est pas bon. Et si vous avez un S, eh bien vous pouvez éventuellement peut-être placer bicor, B-I-C-O-R-P-S. Adjectif masculin qui désigne une voiture à deux volumes, moteur et habitacle. Nocé, verbe au participe passé invariable, faire bombance. Vélum, grand voile non masculin, grand voile servant de plafond ou de protection contre la lumière. Kaon, K-A-O-N, c'est la même chose que K pour désigner en physique la particule. Ti, au sport, dans les sports, c'est une cheville sur laquelle on place la balle de golf. Bah donc, du coup, c'est que pour le golf. Hein. Je ne sais pas pourquoi on précise sport. Cheville sur laquelle on place la balle de golf avant de la frapper. Effort, dans l'Antiquité grecque, c'était un magistrat de Sparte. Ferlé, en marine, c'est relever une voile sur la vergue. Libor, avec ou sans dé. En marine également, partie du navire qui borde le pont supérieur. Et l'aïkido, enfin, c'est un art martial d'origine japonaise. Voilà. C'en est terminé pour les définitions. Maintenant, on va passer aux potentialités des tirages. Pour cela, je reviens au premier coup et je change fichage. Et donc, le premier tirage, il n'y avait rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Le tirage d'après, pareil. Le suivant, en revanche, alors je ne reviens pas sur les mots qu'on a vus pendant la partie ou pendant le premier temps du décodage dans les sous-tops. J'insiste sur les autres. Et puis, quand il y a beaucoup de conjugaisons, etc., je fais une sélection. Hein. Abstract sur un B. Castrant, traçant, actora, carota et castra ATS, hein, puisque castra, c'est pas que le verbe castrer, c'est aussi un nom masculin. Alors là, il n'y avait que prohibé. En 7, il n'y avait rien. En 8, il n'y avait que prohibé. Et en 9, biosphère, euphorbe. Donc biosphère, c'est l'anagramme de prohibé et ES. C'est magnifique ça. Alors, le tirage d'après, on avait honoré en main, on a scrablé sur le i. Il y avait hormoné également sur un m. Et avec une lettre de plus encore, honoreré forcément, ongroyé, hormonié. Ok. Alors, fouineur sur un o. On n'avait pas de o. Ça, c'était pour le 8 lettres. Il n'y avait rien en 7. Et en 9, unguifère, flingueur, fourquine. Alors là, on avait vu, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu, Auguste et sauteur au pluriel, je l'ai dit à l'oral, mais ça passait pas. Et avec une lettre de plus, il va y avoir beaucoup de choses là. Beaucoup de verbes en UATS, assuétude, fastueuse, ajusteuse. Bon, je fais une sélection parce qu'il y en a beaucoup. Trousseau. Et puis après, ce sont essentiellement des conjugaisons sursaturées, rustaudes, voilà. Soit des conjugaisons, soit des déclinaisons de mots qu'on a déjà vus. Ok, allez, le tirage suivant. Alors, on a déglua en main. On avait déglué sur un I, glandu sur un N et déloga sur un O. Allez, on rajoute une lettre pour voir. Saligaude, doublage, pedelage au pluriel, les deux. Désenglua, glandule au pluriel. Bon, beaucoup de, encore une fois, hein, beaucoup de pluriel, de conjugaison, de, forcément, dès qu'on a le S, le A, le E, ça y va. Alors ici, rien en 7, rien en 8 et en 9 non plus.
Ici, idem. Là, pareil. Rien en 7, rien en 8, rien en 9. Le tirage suivant, alors, avec, on avait Manuel sur un A, Alunam, un B, Albumen, Bluesman, Alumine, Alunim, Melunet, Muselant et Malvenu. Allez, si on ajoute une lettre, en 9 lettres, il y en aura quand même pas mal. Donc, beaucoup de verbes en âme. Meublant, qui est un adjectif. Masculine, mucinale. Asplinium, manipule. Pas assez un manipule. Simultané, musulmane. Malus, c'est le verbe malusser, ça. Ok, allez, le tirage suivant. Voilà, coqueté, oqueté, aliquote, loqueté, atomique, atonique, équation, atopique, aortique, retoqué, toqueré, acosité, estoqué, évoqué, atoxique, azotique. Voilà tout ce qu'on pouvait jouer avec ce tirage en 8 lettres. Malheureusement, les appuis nécessaires n'étaient pas disponibles. Je ne prolonge pas jusqu'aux 9 lettres parce qu'il y aura trop de solutions. Alors, le tirage suivant, deltoïde et délétion sur un N, deltoïde sur un D, et en 9 lettres. Alors, féodalité, idolâtrée, téléradio, pétaloïde, d'accord, idiolecte, défolie, ENT, mélodiste, modéliste, diplotène, indolente, dolotière. C'est incroyable le nombre de mots que je ne connais pas dans ce truc-là. Déplétion. Yesu est malade. Yesu a une déplétion, pardon. Bon. Magnifique tirage en 9 lettres. Alors, le tirage d'après. Rien en 7, rien en 8, rien en 9. Forcément, avec tout ça, là, ça sera pareil. Et puis enfin, avec le Aïkido. Ouh là 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 là, c'est beau ça. Kidnappé et Kundalini. Qu'est-ce que c'est que ça? Kundalini. C'est ODS-8, ça c'est obligé. ODS-5, d'accord. Alors, la Kundalini, c'est un nom féminin au yoga, énergie latente, éveillée par la méditation. Eh ben, très latente, hein, parce que moi, ça fait depuis l'ODS-5 que je ne connais pas cette énergie. Donc... Elle a mis du temps à venir. Voilà, bon, ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Kundalini, c'est beau. Voilà, ben, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris deux, trois petites choses et que la chaîne vous plaît au point de vous y abonner. Je vous rappelle l'objectif à 1000 abonnés pour la suite. Vous êtes 777 là à l'instant T où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est pas mal, ça grimpe doucement, mais sûrement. Donc continuez d'en parler autour de vous, c'est important. Et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.